Bien, mais écoutez, ben on va commencer. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Michel Cronier, je suis le membre du CIE des clients Nantes et également son porte-parole pour cette année, peut-être pour l'année prochaine si vous voulez bien accepter ma candidature. Alors je m'occupe des questions climatiques et géopolitiques et à ce titre, je suis vraiment très heureux de pouvoir inviter à cette conférence Laurent Testeau, ici présent, journaliste scientifique et spécialiste d'histoire environnementale. Il a écrit ses écrits récents, Cataclysme, qui a été primé par l'Académie française, qui est un essai d'histoire environnementale à plusieurs voix, et puis Vortex avec Emmanuel Wallenstein, et dont on va reparler, et enfin El Niño, qui est le sujet de notre discussion de ce soir avec Jean-Michel Valentin. Jean-Michel Valentin, qui est le co-auteur, donc est un géostratège et un haut fonctionnaire, qui est spécialiste justement, et ça va nous intéresser fortement, il est spécialiste des conflits géopolitiques liés au climat. Alors Laurent, puisque Patrick m'a tendu la perche, je vais aller dans son sens, il a beaucoup plu ces dernières semaines, il a beaucoup plu également fin d'automne, début novembre, dans notre belle région, c'est-à-dire que nous sommes un certain nombre à être des Alpins, en quelque sorte. Hein. Et la pluie a même daigné arroser la Catalogne, ce qui était extraordinaire, puisque la Catalogne était désignée comme étant quasi détresse hydrique. Par contre, les habitants du Nord connaissent des inondations répétitions. La vision à courte vue des bulletins météo crée certainement une confusion chez le grand public, hein, et elle alimente, à mon avis, des considérations climato-sceptiques. Mais Laurent, pourriez-vous nous dire de quoi El Niño est-il le nom? Alors, El Niño est le nom d'un phénomène climatique, effectivement, mais qui est surtout centré sur le Pacifique Sud. Donc, son influence sur le climat français est au mieux, comment dirais-je, tempérée par d'autres éléments qui sont probablement plus importants dans les pluies qui nous sont tombées dessus ces derniers temps, et notamment l'équivalent atlantique de El Niño, qui est the North Atlantic Oscillation, donc NAO. Voilà. Ceci étant dit, si on était au Pérou, je ne tiendrais pas ce discours parce que quand il y a une année El Niño, le Pérou connaît de très très fortes inondations. Et le nord-est du Brésil, lui, est en sécheresse, c'est ce qui s'est passé cette année. Et donc, eux sont directement connectés à des troubles climatiques d'ampleur causés par El Niño. Voilà. Donc, c'est juste qu'il faut raison garder. El Niño n'est pas responsable de tout ce qui est déréglé dans le climat. Plus exactement, c'est un amplificateur du réchauffement actuel, réchauffement anthropique. Et donc, en fait, il nous fait voir avec quelques années d'avance ce à quoi va ressembler la fin de la décennie que nous vivons aujourd'hui pour ce cru El Niño 2023-2024. Alors, je voulais passer quelques slides pour illustrer mes propos. Donc, je vais partager l'écran. Si ça marche, ça a l'air de marcher. Eh bien, on va attaquer. Vous voyez mon écran? Oui, très bien. D'accord. Donc, j'ai choisi de vous montrer en fait l'événement qui devrait faire en ce moment la une de tous les journaux. Ce sont les températures de surface des océans à l'échelle mondiale, analysées quasiment au jour le jour, c'est avec 2 jours de retard que ça se passe. Donc là, il y a 2 sites qui le font aujourd'hui. Le site traditionnel depuis 2-3 ans, c'était Climate Reanalyzer, qui est maintenu par l'Université du Maine aux États-Unis. Et Copernicus, le service météo européen, vient de faire un service similaire. Donc, je pourrais donner les adresses à ceux que ça intéresse, ou je peux même les donner là. Climate Reanalyzer pour trouver ces schémas-là. Et Pulse. .Copernicus pour trouver le schéma équivalent de Copernicus. Les deux convergent, de toute façon, ils analysent des données similaires. En noir, c'est le début de l'année 2024. En orange, c'est l'année 2023, des températures de surface des océans.
La ligne en pointillé du milieu, c'est la moyenne des années 1980-2010. Le petit nuage ici, c'est les 8 dernières années. C'est encore plus spectaculaire que le réchauffement climatique tel qu'on le ressent dans l'atmosphère, c'est-à-dire que les températures des océans sont au-dessus de tout ce qui est historiquement constaté. On est sur des températures qui n'ont pas été vues depuis des millions d'années et c'est en train de monter. Et c'est en partie lié à El Niño, mais pas seulement. C'est lié aussi au fait que les océans ont absorbé énormément de chaleur. En fait, vous savez tous que le changement climatique anthropique est lié d'abord à la combustion d'énergie fossile, pétrole, charbon, gaz, et de manière un peu moindre, déforestation. 91% de la chaleur excédentaire dégagée par la combustion des énergies fossiles a été absorbée par les océans. Et de manière radicale, les océans sont en train de se réchauffer, de se stratifier, c'est-à-dire que les différentes couches de l'océan grimpent en température plus ou moins rapidement en fonction de la profondeur. Et là, sur les températures de surface, c'est absolument spectaculaire. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Donc là, c'est l'équivalent de... C'est la version Copernicus, et on voit le même schéma. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est simplement que El Niño, à la base, ça se présente de cette façon. Donc, El Niño est un phénomène qui agit au cœur du Pacifique Sud. On décide qu'il y a El Niño en fonction des températures qui sont dans cette zone. Si vous voulez savoir où vous êtes, eh ben, vous voyez l'Australie à gauche, l'Indonésie, donc vous devinez l'Asie complètement à gauche, et à droite, vous avez l'Amérique latine. Et donc, l'endroit où on analyse l'émergence d'El Niño est en plein dans le Pacifique, autour de la Polynésie. Et à partir du moment où les températures de surface ici passent un certain seuil, on décide qu'on est en période El Niño. Donc, on est entré en El Niño en mai dernier et on va en sortir en avril prochain. Ça se présente en fait sous la forme d'une inversion des flux de température dans l'océan Pacifique, qui, comme vous le savez, est de loin la plus grosse masse d'eau sur Terre. Donc c'est là où ces flux sont les plus importants et de très loin. Et cela remplace en fait comment on appelle ça, un upwelling, c'est-à-dire une remontée d'eau qui se trouve au large des côtes du Pérou, qui normalement est extrême et très froide. Elle remonte l'eau. Il y a une sorte de tapis roulant, en fait. Il faut imaginer un tapis roulant dans le Pacifique qui fait partir la chaleur d'est en ouest en temps ordinaire, la chaleur atmosphérique. Elle est absorbée au niveau de l'Indonésie par l'océan et ça passe dans les profondeurs du Pacifique à 4000 mètres de profondeur. Ça se refroidit, ça capte du carbone, etc. Et ça ressurgit du côté péruvien et ça refroidit les côtes du Pérou. Ça, c'est les années normales. Et El Niño, il y a une inversion des vents, des alizés qui courent sur l'équateur. Et à ce moment-là, la chaleur part dans l'autre sens et va réchauffer les côtes du Pérou, ce qui interrompt la remontée d'eau froide des profondeurs et change le climat mondial dans la mesure où El Niño augmente la chaleur mondiale en moyenne et les régimes des pluies. Il y a des endroits qui normalement sont très secs se retrouvent inondés et d'autres qui normalement sont sous de fortes pluies et se retrouvent dans des situations davantage asséchées. La principale conséquence d'El Niño, c'est d'abord d'affaiblir la mousson sur l'Asie, la mousson sur l'Afrique, d'inonder le Pérou et la Californie et d'assécher en partie l'Amazonie. Et donc, c'est quelque chose qui est un phénomène extrêmement important en termes géopolitiques. Et ça, on y reviendra après. Voilà, donc je voulais juste présenter rapidement ce dont il est question. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les noter, puis on reviendra dessus. J'ai été délibérément un peu
comment dirais-je, superficielle dans ma présentation d'El Niño. Je peux rentrer plus dans les détails techniques ou scientifiques de ce phénomène. J'ajoute qu'il existe une douzaine de phénomènes similaires sur Terre. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du NAO, qui n'est pas exactement la même chose, mais qui a le même effet sur l'Atlantique Nord. Toutes les grandes masses d'eau sur Terre affectent les températures selon des cycles et selon des éléments extérieurs, la montée en température des océans venant bouleverser ça. Et donc, ces différents cycles interagissent, ce qui fait du système climatique mondial un véritable chaos qu'il est très, très difficile de modéliser. C'est pourquoi, quand on parle des pluies qui déferlent sur la France, comme nous sommes assez loin de l'épicentre d'El Niño, il y a d'autres phénomènes qui affectent davantage notre pluviosité, notamment en NAO, mais il peut y avoir des interactions avec El Niño qui font que cette pluviosité est effectivement affectée plus ou moins, mais c'est difficile de mettre des facteurs précis sur ces interactions. Entendu. Laurent, est-ce que vous pourriez nous montrer la couverture justement Alors, je reviens de votre rapidement. livre? Voilà, la couverture est ici. Voilà. Alors la couverture, parce que moi, quand j'ai fait la recension de votre livre, j'avoue que je l'ai prise dans mes mains, je l'ai tournée un peu dans tous les sens, je l'ai regardée, et puis ça m'a assez inspiré quand même. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose, il y a un coup là, un peu d'éditeur, un peu comme vous aviez eu d'ailleurs, vous aviez fait avec Vortex, avec votre manuel, à l'usage de enfin, compréhension de l'Anthropocène, et avec votre éditeur Palio, vous aviez fait ce manuel qui était vraiment fort intéressant à utiliser. En fait, là, on a une couverture qui est quasiment incandescente. Hein. On a un titre qui est gros, qui est choc. Le format, c'est un petit format, c'est un peu guide de voyage. Je ne l'ai pas dans la main, mais comme si je l'avais. Moi, j'ai envie de vous demander quelle était donc votre intention à vous deux à la suite de l'apparition de Vortex, qui était déjà, vous aviez qualifié de manuel. Vous le présentiez comme un manuel pratique. Alors, Alors oui, c'est quoi, un guide de Vortex. voyage? D'accord. Alors Vortex est effectivement un manuel pratique de l'Anthropocène, des neuf limites, de la façon dont scientifiquement on interprète les données de la manière dont l'humanité altère la planète, et ensuite de la façon dont les sciences humaines pouvaient s'emparer de ces données pour essayer de peser sur le politique et sur l'éducation. El Niño, c'est un ouvrage plus court que Vortex, qui nous a demandé beaucoup moins de temps avec Jean-Michel Valentin. Alors, El Niño n'est pas publié chez Payot, mais chez Nouveau Monde Édition, parce que je suis directeur de collection chez Nouveau Monde Édition. Je dirige depuis peu une collection Histoire globale. Et donc, quand j'ai commencé à comprendre qu'il allait avoir un El Niño dès le début 2023, ce n'était pas un secret, hein, les climatologues en parlaient, je m'étais dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et quand à partir de mai 2023, on a su qu'on allait avoir un El Niño à minima fort, que c'était potentiellement quelque chose qui pouvait changer une partie de la géopolitique mondiale. Je suis allé voir Nouveau Monde Édition, je leur ai demandé, mais on ne pourrait pas traduire un livre d'histoire paru en anglais et tout. Ils m'ont dit, mais il faut un an pour traduire et mettre sur le marché. Et d'ici un an, ben, on sera presque au moment où ça sera fini, cet El Niño. Donc, si on veut faire un livre, il faut l'écrire nous-mêmes. Donc, du coup, j'ai appelé en catastrophe Jean-Michel Valentin, dont je savais qu'il surveillait cette question au niveau géopolitique. Et j'ai écrit, rédigé la partie historique et il a rédigé la partie géopolitique de ce petit guide, effectivement, de El Niño, qui est une expérience de pensée, en fait, quand on l'écrit. Il vient juste de commencer en mai, juin, juillet. On voit déjà qu'il assèche pour partie l'Amazonie, ce qui n'est pas une surprise, mais on ne sait pas quelle sera sa force. Il y a des prédictions presque apocalyptiques de la part du BOM, le Bureau of
météorologie australien. L'Australie est un des pays les plus affectés par El Niño en raison de la proximité géographique et de la vulnérabilité climatique de l'Australie. Le BOM est donc probablement l'équipe de climatologues la plus pointue sur El Niño. Et très franchement, ils étaient très inquiets. Du coup, on a voulu réfléchir aux conséquences d'El Niño sur le passé, ce qu'on peut en deviner. C'est assez compliqué parce qu'en fait, on ne connaît El Niño qu'assez récemment. Historiquement, on commence à deviner déjà au début du XXe siècle qu'il y a quelque chose dans le climat mondial qui implique des connexions, mais la plupart des météorologues sont très sceptiques. Et ce n'est qu'à partir des années... La fin des années 1950, je dirais, qu'on commence sérieusement à étudier El Niño et à savoir de quoi El Niño est le nom, c'est-à-dire d'un cycle climatique qui revient tous les 2 à 7 ans et qui augmente les températures mondiales moyennes d'environ 0,3 degrés Celsius au niveau planétaire, donc, et qui l'augmente davantage dans la zone Asie-Pacifique que par chez nous. En fait, en Europe, parfois, El Niño, c'est même un peu plus froid. Les années El Niño, les hivers El Niño, sont parfois un peu plus froids que des hivers normaux. Mais sachant cela, ce qui est intéressant, c'était le calcul. Début 2023, on était officiellement à plus 1,2 degrés Celsius au-dessus des températures de référence telles qu'elles ont été mesurées dans la seconde moitié du 19e siècle. Et on a eu un accord, l'accord de Paris, qui a été signé 2015-2016, et qui disait qu'on devait tout faire pour rester en dessous des 1,5. Or, 1,2 plus 0,3 plus, sachant qu'on était à 1,2 depuis 2-3 ans, simplement parce qu'on avait 3 années successives de 2020 à 2023, des années La Niña, qui est lente. El Niño, qui est un moment en fait qui est un peu plus froid au niveau mondial, il était facile de deviner qu'on allait dépasser les 1,5 et qu'on allait commencer à taquiner des seuils qu'on ne devrait pas franchir en théorie et avec des conséquences possibles, sachant que de toute façon, vu l'inertie climatique et surtout l'inertie économique de nos sociétés, nous sommes partis pour passer ce cap de 1,5 à l'horizon 2030, avant la fin de la décennie, et probablement le cap des 2 degrés Celsius au-dessus des températures de référence dans les années 2040, en tout cas avant 2050. L'enjeu, en fait, de réduire nos émissions aujourd'hui, c'est de rester aux alentours de 2 degrés Celsius de réchauffement planétaire dans la seconde moitié du 21e siècle, pour ne pas commencer à grimper vers ce qui sera vraiment l'enfer climatique, le chaos climatique. Donc, El Niño était un peu le porteur de mauvaises nouvelles et on s'est dit, oui, il y avait un coup éditorial à jouer, on va en parler, on va forcément parler, puisque là, on entre dans une période de danger réel. Et effectivement, depuis septembre, depuis 9 mois, enfin, nous sommes en période de danger réel. Nous avons passé les 1,5. En ce moment, nous sommes à plus 1,75. Au début février, on était à plus 2 au-dessus des températures de référence. Et vous avez vu, tout le monde s'est alarmé. À la dernière COP, les pétroliers ont battu leur coupe et ils ont annoncé qu'ils allaient sauver le monde. Mais on est quand même dans une sorte de déni assez fou. Et je dis volontiers que là, j'ai vécu mon moment don't look up, c'est-à-dire que, en fait, personne n'en parle. Je ne sais pas si vous avez vu le film Don't Look Up, l'humanité est menacée par un danger cosmique. Tout le monde se rassemble, on prépare une riposte. Et puis finalement, il y a un homme d'affaires qui dit non, on n'en voit pas. Et la riposte n'a pas lieu et l'humanité est détruite. C'est un peu ce sentiment-là que j'avais avec cette de voir que effectivement ce que les climatologues avaient anticipé était visible, qu'on est dans un réchauffement climatique dont on disait il y a moins de 7 ans qu'il ne fallait surtout pas aller au-delà, et qu'en fait les politiques en tout cas et les grandes firmes s'en contrefichent.
Alors, Laurent, j'aimerais revenir. Alors, évidemment, la question du déni, on l'a tous dans la tête. Mais auparavant, avant peut-être en analyser les aspects, ce qui nous intéresse, nous aussi, en tant qu'enseignants, c'est cette corrélation que vous faites tous les deux, que vous faites, oui, tous les deux avec Jean-Michel Valentin, cette corrélation entre les grandes périodes de crise de l'histoire mondiale et les épisodes anciens d'El Niño. Alors ça, évidemment, ça nous intéresse beaucoup parce que, en tant qu'historien et géographe, on a été sensibilisé aux thèses de Leroy Ladurie sur le petit âge glaciaire, mais on en restait en fait à quelque chose de relativement limité, hein. Là, pour le coup, vous creusez le sillon depuis quelques années, hein, et là, vous parlez véritablement de connexion. Alors, corrélation n'est pas, bien sûr, causalité, mais on aimerait bien en savoir plus, d'autant plus que l'histoire environnementale, si elle est récente chez nous, ou si tout au moins vous en êtes emparé et qu'on en parle de plus en plus chez nous, elle est en vogue depuis longtemps dans les pays anglo-saxons. Comment se fait-il que la France ait en quelque sorte négligé cet aspect qui me semble fondamental? Oui, alors je vais être un peu critique vis-à-vis des historiens. C'est que les historiens français sont les rois de la micro-histoire, les seigneurs de l'archive, en fait, et qu'il est très, très difficile de faire une histoire archivistique du climat après Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a vraiment régné sur cette discipline. Qui était effectivement, on regarde les dates des vendanges, on travaille avec ça et puis on devine quels sont les impacts politiques, des variations climatiques, les impacts agronomiques. Voilà. À côté de ça, il y a une histoire qui s'est développée dans le monde anglo-saxon qui est beaucoup plus transdisciplinaire, qui est l'histoire globale, environnementale, avec quelqu'un comme John McNeill ou quelqu'un comme Kyle Harper, qui d'ailleurs est en ce moment en France, au Collège de France. Et cette histoire-là, elle se met en connexion, en fait, avec les archives, notamment archéologiques, avec la palynologie, avec la dendrochronologie, avec un certain nombre de facteurs. Et on découvre quand même le petit âge glaciaire, ce n'est pas que le décalage des dates de vendange. Quand on regarde les séries sur les squelettes, on voit qu'au début du petit âge glaciaire, fin 13e siècle, début 14e, les Européens perdent en moyenne 4 cm de haut. Ils sont dénutris. Voilà, il y a des phénomènes de famine énormes, particulièrement vers les années 1315-1320 à Londres, où on constate dans les corps déposés dans les cimetières parfois des actes de cannibalisme. Donc on voit que la faim a frappé, que le petit âge glaciaire, ce n'est pas que les vendanges sont seulement plus tardives, c'est que ça a un impact réel sur la vie des gens, sur la conflictualité, sur. Également, la politique. Je travaille en ce moment sur une histoire des forêts et on voit bien que c'est complètement que le pouvoir a de plus en plus de mal à asseoir son autorité sur l'exploitation des forêts à ce moment-là. Les forêts reviennent également. Enfin, voilà, il y a un impact climatique sur l'histoire qui est manifeste. Alors après, corrélation n'est pas causalité, c'est-à-dire que nous sommes dans une civilisation technologiquement beaucoup plus avancée que la civilisation médiévale ou que les civilisations antiques. Et donc, nous sommes en mesure de mieux lutter contre le changement climatique. Et là où ça est particulièrement préoccupant et où l'histoire d'El Niño peut nous entraîner assez loin dans cette idée, c'est que le changement climatique, il exacerbe les inégalités mondiales. C'est-à-dire que des pays comme la France ou les États-Unis sont beaucoup mieux armés face au changement climatique que les petits États insulaires du Pacifique ou que les États africains, qui pourtant sont ceux qui ont le moins contribué à ce changement, alors que nous sommes ceux qui avons le plus contribué. Et donc, tout ce qui est histoire climatique soulève également des questions sociologiques, anthropologiques, même philosophiques, sur les responsabilités et comment dirais-je, la quantification de nos responsabilités respectives des différents pays, des différentes civilisations, etc.
Pour ne prendre qu'un exemple sur des El Niño attestés à la fin du 19e siècle, il y a eu plusieurs famines en Inde et en Chine qui sont liées à des épisodes El Niño parce que ces pays-là n'étaient plus en mesure de faire face à des épisodes très forts d'El Niño parce qu'ils étaient en butte à la pénétration de l'impérialisme, notamment britannique, qui imposait le libre-échange. Et donc, combattait tout ce qui était dispositif d'assistance interne à ces sociétés, notamment la société indienne, au prétexte qu'il ne fallait pas aider les pauvres, qu'ils devaient s'en sortir par eux-mêmes. Et le résultat a été assez spectaculaire. Enfin, j'ai mis de côté une photo pour ça, mais la voici. Donc, elle donne une idée. Ça, on est en 1878, c'est ça. Et un photographe documente la famine qui règne à ce moment-là dans le centre de l'Inde. Ça donne une idée du résultat dans un El Niño extrêmement violent, extrêmement fort, qui est celui de 1877-1878. Voilà. On pourra revenir sur la documentation d'El Niño dans le temps. Il faut savoir que on est certain qu'on a une chronologie d'El Niño qui commence dans les années, on va dire, 1960, moment où, avec notamment la guerre froide, les États-Unis observent les phénomènes météo parce qu'on observe le ciel pour détecter tout ce qui est potentiel arrivée de missiles, etc. On commence à deviner vraiment ce qu'est El Niño et à le théoriser à partir des années, on le prévoit avec succès à partir des années 1970. Donc on a des séries statistiques d'El Niño depuis les années 1960-1970. On est certain qu'à ce moment-là, on a typiquement un El Niño. Les mesures se sont renforcées dans les années 1980 à l'issue de l'El Niño 1982-83, qui a pris tout le monde par surprise parce qu'il n'est pas arrivé exactement comme on l'attendait. Et donc, on a déployé des réseaux très importants de surveillance satellite des températures de surface des océans, de bouées qui analysent la température en surface et en profondeur. Donc, on sait prévoir aujourd'hui les El Niño avec des incertitudes sur leur force, mais on a une série statistique qui court sur moins de 70 ans. Et en pratique, on a une façon de reconstituer les El Niño qui est dans le passé, on regarde ce qui se passe au niveau géopolitique, au niveau archivistique, ce qu'on a dans les archives, et on se dit, tiens, ça a de fortes chances d'être une année El Niño. Et on peut remonter comme ça avec une relative certitude jusqu'aux années 1860-1870 avec des chronologies El Niño assez fortes. Pourquoi? Parce qu'à partir des années 1860, on a des pouvoirs coloniaux importants, notamment la Grande-Bretagne, qui déploient des capteurs qui analysent la pression de l'air sur leurs colonies parce qu'ils veulent savoir où est-ce que la pluie tombe pour ravitailler les troupes éventuellement ou pour pouvoir anticiper les récoltes afin de lever des impôts. Enfin, il y a des tas de raisons pour lesquelles le pouvoir a besoin d'avoir des données météorologiques, donc on fait des séries météorologiques, et donc on sait que ça ressemble vraiment à des El Niño, et on sait qu'il y a des super El Niño, il y a trois grands épisodes d'El Niño dans la seconde moitié du 19e siècle, qui font paraître ce qu'on a vécu depuis 70 ans, y compris le très gros El Niño de 1997-1998, comme des choses relativement moindres. Voilà. Donc on sait qu'on n'a pas des séries complètes d'El Niño et qu'on peut avoir des El Niño plus violents. Alors, également, fin du 19e, on est dans la sortie du petit âge glaciaire, la longue traînée du petit âge glaciaire. Les températures sont autres. Voilà. On ne sait pas si des El Niño pourraient être plus violents. Ah, j'ai oublié peut-être un détail important. Je parle sans arrêt de El Niño 1877-78, ou comme on parlera de El Niño 2023-2024, c'est qu'en règle générale, un El Niño dure une année et qu'il est à cheval sur nos années. C'est-à-dire qu'en gros, comme je vous l'ai dit, notre crue actuelle d'El Niño, il a commencé en mai 2023. Il va se terminer très probablement en avril-mai 2024. Il aura donc duré un an. Donc on l'appellera El Niño 2023-2024.
Il y a une théorie qui veut que, puisqu'on n'a jamais observé depuis 70 ans de El Niño qui ait duré plus d'un an, normalement, ça ne dure qu'un an ou moins. Le problème, c'est qu'au 19e siècle, on devine des El Niño qui durent 3 ans consécutifs dans les archives. Donc, on ne sait pas en pratique ce que ça pourrait donner plus tard. D'autant plus qu'une étude, une méta-étude récente dirigée par Kay Venju l'été dernier a relativement tranché le débat en disant ben, le changement climatique, contrairement à ce qu'on croyait, le réchauffement climatique amplifie et la fréquence et la force des El Niño. Donc, a priori, on peut s'attendre à avoir des El Niño qui vont aggraver des vagues de chaleur ponctuellement dans les décennies à venir. En sus de la montée en température standard liée au changement climatique. Vous remontez là, avec les archives, avec le travail archiviste, vous remontez donc au 18e siècle, au 19e siècle, pardon. Vous avez bien expliqué que c'était aussi des attendus des Européens, hein, qui voulaient mieux connaître leur colonie. Pourtant, El Niño, on en entend parler, notamment dans les zones de l'Atlantique, du Pacifique, excusez-moi, du Pacifique Est et côtes de l'Amérique latine, on en entend parler, ne serait-ce que par le nom, depuis. Peut-être beaucoup plus, puisque pourquoi pas depuis la conquête espagnole, El Niño, l'origine du mot. Hein, et puis, donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut considérer que ces traces d'El Niño, qui sont souvent des traces liées aux pêcheurs, par exemple, qui voient leur production de poissons diminuer drastiquement du fait du réchauffement de l'upwelling et du réchauffement des côtes latino-américaines, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui pourrait justifier en quelque sorte ou apporter des éléments de preuve d'El Niño beaucoup plus historique en fait? Alors, le dernier El Niño dont on soit absolument certain date de la fin du XVIIIe siècle. Après, on a des suspicions parce qu'on n'a pas de relevé météo. On a des proxys archéologiques, notamment sur les côtes du Pérou, qui permettent de dire a priori ça, c'est une année El Niño. Alors, il y a une théorie, un temps, qui liait en fait la facilité de la conquête de Cortés de l'Empire Inca à un épisode El Niño, parce que le chroniqueur de Cortés raconte que après un échec, les vents étaient contraires et tout, ils n'ont pas pu envoyer les navires. Là, ils ont eu des vents favorables, ils se sont retrouvés sur les côtes du Pérou et ils traversent un endroit où ils trouvent de l'eau, des fleurs, des plantes à profusion, alors que normalement, c'est le désert. Donc ça ressemble typiquement à une année El Niño péruvienne classique, avec les maladies que ça charrie avec le... Voilà, un contexte plus favorable également aux maladies, et on sait que les maladies ont été cruciales dans la chute de l'Empire Inca. C'est une hypothèse, elle est discutée parce qu'on n'a pas assez de proxy pour confirmer que l'année où débarque Cortés, c'est effectivement une année El Niño. Après, on a, donc entre le 16e et le 18e siècle, des événements que l'on peut plus ou moins, avec certitude, corréler à El Niño. Voilà, sachant qu'El Niño, ce n'est pas le déterminant, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y aurait eu un El Niño que Cortés allait remporter contre les Incas sa victoire. Ça repose également sur un certain nombre de facteurs qui sont de l'ordre de soit de l'aléatoire, la capture par surprise du nouvel Inca, par exemple, soit de facteurs qui n'étaient pas du tout anticipé par les Espagnols, comme le fait qu'ils apportaient avec eux la variole et que la variole allait décimer les Incas et garantir une victoire plus facile. Puis après, il y avait le jeu diplomatique avec des groupes qui venaient d'être soumis par les Incas qui étaient prêts à rejoindre les Espagnols pour se révolter. Voilà, donc il y avait énormément de facteurs. Comme vous le savez, une guerre ne se joue pas seulement sur un facteur. Donc le facteur climatique peut influencer quelque chose sur une société, peut l'affaiblir, mais il ne fait que révéler les failles de cette société. El Niño est un révélateur, de même que le changement climatique est un révélateur de nos failles internes. Est-ce que nous sommes prêts, nous, à faire face au changement climatique? L'histoire environnementale, telle qu'elle a été développée par certains comme Jared Diamond, montre qu'il y a des
a tendance à montrer, en tout cas dans certains de ses courants, qu'il y a des gagnants et des perdants, qu'il y a des sociétés prêtes à affronter des chocs et d'autres qui ne le sont pas. Donc la question, et c'est la question à 1 000 milliards de dollars, c'est est-ce que nous sommes prêts à faire face au changement climatique que nous sommes en train de provoquer? Et est-ce que nous sommes prêts à faire face aux conséquences de tout ce que nous sommes en train de provoquer? Et est-ce que nos sociétés peuvent s'en sortir ou pas? Et ma réponse, c'est probablement oui pour les sociétés développées et avec beaucoup plus de réserves pour des sociétés en situation de vulnérabilité, notamment pour l'Afrique, par exemple. Oui, des sociétés qui, de toute façon, ne sont pas directement responsables du réchauffement climatique de l'Anthropocène. Tout le problème est là, quand même. Il est vrai que demander à une Afrique qui est en voie de développement, pour être poli, de renoncer à un certain nombre d'activités industrielles ou énergétiques, effectivement, ça paraît quand même très curieux. D'autant plus qu'il semblerait que si la responsabilité des Occidentaux et des pays développés est avérée, ça pourrait passer par exemple par des contributions, des aides, des transferts de technologies, voire des compensations financières, que sais-je. Oui, c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place et en même temps avec beaucoup de retard et de réticence. Alors, plus spécifiquement sur El Niño, je voulais revenir sur les conséquences possibles. On a parlé des anchois et du nom d'El Niño. Alors, El Niño, c'est l'enfant en espagnol et c'est surtout l'enfant Jésus, El Niño de la Natividad Navidad, ou Natividad. Natividad. Bref, c'est parce qu'on sait qu'à un moment indéterminé entre le 16e et le 19e siècle, les pêcheurs péruviens ont observé que les années où le désert fleurissait, il y avait également des variations, il y avait de l'eau chaude qui arrivait. Et ensuite, on a le terme El Niño a changé plusieurs fois de sens entre le 19e et le 20e siècle, pour finir par qualifier aujourd'hui une partie du cycle dit ENSO, El Niño Southern Oscillation, qui est ce cycle dont je vous ai parlé tout à l'heure entre l'upwelling au large du Pérou et son interruption par le El Niño. Alors, dans un livre qui est probablement le livre le plus à jour sur l'histoire d'El Niño, qui est le livre de Groove et qui a été actualisé par Adamson, d'où le titre que je donne, la référence est Groove et Adamson, je donnerai une petite bibliographie. Il y a ce schéma que je trouve intéressant, c'est-à-dire c'est sur les conséquences en cascade potentielles d'El Niño. On peut en suivre une, vous voyez, vous prenez El Niño, vous montez, vous arrivez sur un aspect océanique qui est le réchauffement de l'océan, notamment au large du Pérou, qui entraîne une réduction du stock de poissons. Alors, la réduction, elle est spectaculaire, c'est-à-dire que les stocks d'anchois sont divisés par 10. En 1972, quand on n'avait pas du tout anticipé les conséquences d'El Niño, on savait qu'il arrivait, mais on ne savait pas les conséquences. L'économie du Pérou reposait sur l'exportation d'anchois vers les États-Unis pour gaver les poulets américains, pour leur fournir des protéines, etc. La division par 10 du stock d'anchois a provoqué une chute considérable du nombre de prédateurs. Donc d'abord les oiseaux de mer, leur nombre a été divisé par 10, ils s'en sont jamais remis depuis. Les populations sont restées au quart des effectifs au large du Pérou. Donc les populations de type cormorans, fous, etc., sont maintenant au quart des effectifs qu'elles avaient dans les années 1970. Les pêcheurs eux-mêmes, la plupart des installations de pêche, comme c'était une pêche massive mais relativement artisanale, ils n'ont pas pu avoir d'argent, l'État n'a pas pu les assister. Donc voilà, les pêcheries péruviennes se sont effondrées pendant 2 ans. Et en gros, c'est le début aussi de l'appétit des Américains pour le soja. C'est intéressant. Ils Soja. transfèrent leur appétit. C'est-à-dire que le système au bout, il s'en tire. Les gens les plus développés de cet écosystème-là, qui consiste à pêcher et consommer de l'anchois, les gens les plus riches aux États-Unis, eh ben, ils changent simplement de producteur de protéines pour continuer à nourrir les poulets. En revanche,
L'économie péruvienne, elle, s'en remet beaucoup plus difficilement. Et donc, vous voyez également les conséquences en cascade des exportations de guano en chute libre, puisqu'il y a beaucoup moins d'oiseaux. L'État péruvien qui est obligé de nationaliser les pêcheries parce que sinon elles font faillite. Le tout entraîne des réductions des revenus de l'État et qui vont peser sur sa politique de développement pendant plusieurs années, voire décennies. Donc on voit que c'est un choc systémique et que, y a des conséquences en cascade qui ne sont pas forcément prévisibles sur ce type d'événement. L'autre conséquence d'El Niño sur le Pérou, c'est qu'il y a tellement d'eau qui tombe que la plupart des infrastructures sont ravagées ou détruites. Quand ils ont su qu'un El Niño arrivait, à partir du début 2023, ils ont commencé à recreuser leurs barranco et leurs lits de rivière pour pouvoir évacuer un maximum d'eau, parce qu'ils savaient qu'un déluge allait s'abattre sur les Andes et que tout ce qui était habitation précaire sur le bord de l'eau ou pont ou route risquaient d'être emportés. Et les dégâts qui ont été infligés au Pérou lors de cet épisode d'El Niño vont également affecter son économie pendant plusieurs années. On voit aussi que c'est assez spectaculaire économiquement. Par exemple, en Californie, qui est pourtant l'État le plus développé de la planète, ou presque, et ils sont frappés très violemment par El Niño, à tel point que les grands organismes de réassurance américains ont annoncé qu'ils refusaient d'assurer une partie de l'État, notamment tout ce qui était bâti en bord de mer. Et ça a été fait donc l'an dernier. L'État californien a pris les choses en main. Il a contraint les organismes de réassurance à proposer un dispositif de réassurance de base, assez cher, mais garantissant quand même qu'on pouvait être assuré. On n'a pas eu ce courage-là en France. Depuis quelques mois, des assureurs refusent d'assurer les mairies côtières, notamment. C'est le cas, il y a eu un reportage récemment dans Le Monde, c'est le cas notamment des Sables-d'Olonne, qui est obligé aujourd'hui, contraint, de s'auto-assurer. Alors, les Sables-d'Olonne, ça va, ils ont, comment dirais-je, les reins solides, mais face à la montée des eaux, les assureurs se désengagent du tissu urbain côtier aujourd'hui en France. C'est un réel problème. Et c'est donc une des conséquences, on ne peut pas parler vraiment de géopolitique, mais c'est parmi les conséquences économiques. Alors, ça n'a rien à voir pour la côte française avec El Niño, et ça a tout à voir avec la montée des eaux et la mise en danger des côtes françaises par des phénomènes de type surge, qu'on maîtrise mal en France parce que pour l'instant, on n'a pas encore eu de surge important. Un surge, en termes géographiques, c'est un moment où il y a une grande tempête, où il y a une grande marée conjuguée, et où les deux se conjuguent pour littéralement soulever la mer et la projeter à l'intérieur des terres. Et les modèles climatiques montrent que ce risque-là est en train d'augmenter considérablement sur les côtes françaises. Oui, alors d'ailleurs, Laurent, c'est le moment depuis lundi, c'est le moment des marées d'équinoxe qui commence et la météorologie nationale avait pointé à partir de lundi de fortes marées et des soulèvements importants. Pour l'instant, il n'en est rien. Moi, je suis ça de très près, étant né au bord de la mer. Je suis ça de très près, mais pour l'instant, on tend le dos. Mais enfin, c'est vrai que les municipalités, les communes sont inquiètes parce que là, effectivement, ça pourrait l'alignement des planètes et du Soleil pourrait créer des sacrés dégâts. On a parlé d'histoire. Il faudrait qui est la première partie que vous avez dirigée, mais on pourra parler de géopolitique, bien sûr, puisque ça nous intéresse fortement, nous, les historiens géographes qui en notent, qui nous sommes engagés depuis plusieurs années à promouvoir la géopolitique et à la pratiquer dans nos cours. Alors, El Niño, donc, facteur aggravant des tensions traitant, c'est ça? Tout à fait. On peut aller voir une autre diapo. Pardon, je suis allé trop loin. Voilà, je vais chercher ce monsieur. Vous reconnaissez, j'imagine, le négus.
On cite une étude qui, moi, m'a particulièrement marqué. C'est une étude de 2011 où Xiang, Meng et Kane ont déterminé que des événements El Niño sont des facteurs essentiels dans le déclenchement d'environ 21% des guerres dans le monde, ceci sur une série analytique courant depuis de 1950 à 2004. En fait, ça s'explique généralement par des tensions sur la nourriture. Le cas de l'Éthiopie est emblématique de ça, c'est pourquoi j'ai mis le négus. Il a été renversé suite à une famine causée par El Niño, qui en fait a révélé la fragilité intrinsèque de l'État éthiopien, qui était une division entre ethnies, des rivalités très fortes entre groupes politiques. La famine a alimenté cela et aboutit l'année suivante à un coup d'État. C'est un peu ce qu'on peut appeler la queue d'El Niño, c'est-à-dire que les véritables dégâts d'El Niño, ce n'est pas pendant la période où il fait rage, c'est l'année qui suit. En termes climatiques, d'abord, la chaleur va continuer à monter, alors même qu'El Niño va disparaître et peut-être céder la place à la Niña. Mais la chaleur va continuer à augmenter cette année, ce pourquoi les climatologues sont relativement certains que 2023 ayant été l'année la plus chaude des annales, 2024 va la battre. Il y a une probabilité qui est supérieure à 90% sur cette question-là. Donc on va avoir une année plus chaude que 2023. Donc on va vraiment, pour le coup-là, passer, avoir une année qui sera officiellement au-delà des 1,5, puisque 2023 a été aux alentours de 1,49 ou 1,51-52. Ça dépend des modèles climatiques que l'on retient. Mais on était aux alentours de 1,5 de degrés Celsius au-dessus des températures de référence pour 2023. On va être au-delà pour 2024, essentiellement à cause d'El Niño. Il y a cinq autres causes qui jouent, mais El Niño est primordial là-dessus. Et ce n'est qu'un record temporaire, c'est-à-dire qu'il est probable que les années 2025-2026 vont être un peu plus froides. On va retomber aux alentours de 1,5 et puis on va grimper définitivement au-delà des 1,5, probablement à partir de 2027-2028. Donc c'est une réalité dont aujourd'hui il importe de se préoccuper et de faire face et de savoir aussi qu'un certain nombre des, comment dirais-je, des engagements des États reposent sur l'idée qu'on peut continuer à développer nos économies parce que de toute façon consommer de l'énergie fossile, c'est la base, le béaba de la puissance géopolitique aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous voulez avoir une armée performante, vous avez intérêt à consommer beaucoup d'énergie fossile, notamment du pétrole. Ce qui veut dire qu'en fait, tant qu'on est dans un contexte de compétition internationale, il est fortement probable que l'on continuera à émettre toujours plus de gaz à effet de serre. On sait par exemple que le dioxyde de carbone a été émis en plus grande quantité en 2023 que les années qui ont précédé. Et on sait aujourd'hui que, tel que c'est enclenché, 2024, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on va faire plus alors que les États se sont engagés à en faire moins. Et on repose sur un certain nombre de choses que, avec Nathanaël Vallenors dans Vortex, on appelait des baguettes magiques. On appelle baguettes magiques des postulats qui sont issus de l'économie classique, mais qui n'ont pas été démontrés expérimentalement et sur lesquels un certain nombre de physiciens et de spécialistes du système Terre sont sceptiques, qui sont les baguettes magiques, qui sont des éléments qui permettront de rester dans le clou des schémas climatiques souhaitables, à savoir en dessous des 1,9 degrés Celsius de réchauffement. Ces baguettes magiques, il y a notamment la captation-séquestration carbone, qui est techniquement possible, mais qui, à l'échelle et dans les temps impartis, semble franchement illusoire, alors que les deux premiers scénarios du GIEC repose sur un volume important de CCS, ce qui est marqué dans les notes de bas de page, etc. Donc, on peut déjà se demander si c'est vraiment sérieux de rester en dessous des 2 degrés quand on sait cela. Ensuite, il y a d'autres baguettes magiques qui est la substitution des énergies. Jean-Baptiste Fressoz ou Vincent Mignerot ont amené la question en disant, mais d'abord pour le premier qui est historien, il n'y a jamais eu de substitution d'énergie dans le passé. Pour le second, qui est plutôt orienté sur un raisonnement physique,
Ce n'est pas possible parce que l'énergie du pétrole autorise des choses que les énergies renouvelables n'autorisent pas physiquement. Ce n'est pas la même forme d'énergie, on ne peut pas la mobiliser de la même façon. Les sociétés ne peuvent pas la métaboliser de la même façon. Mais à eux deux, ils ne disent pas que la transition énergétique est impossible. Ils disent juste qu'elle n'est pas démontrée à ce jour, que sa faisabilité n'est pas démontrée à ce jour. Or, c'est le second élément de nos scénarios de sortie de crise sans grande casse. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que nous faisons face à un choix éthique, soit nous faisons des paris technologiques, et nous pouvons continuer à vivre comme nous vivons en espérant que ces paris nous protégeront du pire, soit nous attaquons réellement ce problème, et j'espérais à cet égard que El Niño soit un avertisseur, et nous commençons à réfléchir sur des solutions qui soient scientifiquement démontrables pour garantir un avenir viable aux générations futures. Et cela implique notamment que les dirigeants de la planète en prennent conscience, se réunissent autour d'une table et arrêtent la course aux armements dans laquelle nous sommes aujourd'hui engagés, qui est quelque chose d'absolument terrifiant. Nous avons des armes nouvelles qui sont en train de pointer. Nous avons des augmentations des budgets militaires des grandes superpuissances que sont aujourd'hui les États-Unis et la Chine, qui sont absolument démentielles pour s'assurer l'hégémonie mondiale. Et en gros, c'est un égoïsme, je dirais, de quelques-uns qui pensent pouvoir capter une grande partie des ressources mondiales et donc faire en sorte que leur pays s'en tire, alors que le chaos montera ailleurs, dans les pays, d'abord dans les pays les plus vulnérables. Et c'est un raisonnement qui n'est pas dans l'intérêt commun, ni même notre intérêt à nous, à mon avis. Donc il implique de comprendre que le changement climatique n'est pas qu'un fait physique, c'est surtout un fait politique. Et cela passe également par une éducation des jeunes avec tout un problème qui est de canaliser l'éco-anxiété qui se dégage de ce type de prise de conscience qui est malheureusement forcément émotionnellement très dur à gérer. Oui, Laurent, vous évoquez la question de l'éducation des jeunes. Bon, il nous reste du temps pour des questions aussi, pour les questions du public, hein, qu'on aimerait entendre, bien sûr, et auxquelles vous pourriez répondre. En attendant, j'aimerais terminer là-dessus. Vous avez participé récemment au rendez-vous d'Histoire de Blois avec Christian Grataloup, le géohistorien bien connu, hein, de notre public. Il venait justement de publier une autre histoire des humains de la Terre, son dernier opus de sa géohistoire, en fait. Et pour nous, enseigner la géohistoire à l'école, ne serait-ce pas une meilleure voie pour éduquer les jeunes générations, enseigner ce que vous appelez, vous, Laurent, une histoire environnementale? Alors oui, plus largement une histoire globale en fait. Et ce n'est pas un hasard en fait. Avec Philippe Norel, j'avais initié le blog Histoire globale il y a de cela 14 ans. Et on avait été rejoint par un disciple de Christian Grataloup, qui était Vincent Capdepuis, qui se définit comme géohistorien, mais qui en même temps disait volontiers qu'il pratiquait l'histoire globale. En fait, nous sommes dans la même idée, c'est-à-dire que la géohistoire, comme l'histoire globale, ont pour ambition d'être transdisciplinaire, parce qu'en géographie, ça fait longtemps que vous travaillez avec des archéologues, avec des spécialistes du climat, etc. Voilà. De travailler sur le temps long, tel que défini par Fernand Braudel, de travailler sur les grandes distances et surtout de savoir travailler les jeux d'échelle, c'est-à-dire la capacité à voir à différentes échelles quels sont les impacts de phénomènes globaux. Voilà. La relation entre local et global, je ne vais pas l'apprendre à des géographes, fondamentale. Donc, moi, je ne vois pas vraiment de différence entre histoire globale et géohistoire, personnellement. Voilà. Après, on appelle ça comme on veut, mais l'idée d'une démarche transdisciplinaire, capable de se mesurer à de très grands objets qui ont une actualité politique brûlante, oui, 100% oui, pour que ce soit enseigné à l'école, à l'université, il faut que ce le soit. Et ça ne l'est malheureusement pas. Et par rapport à l'histoire globale, je suis désolé, mais
Il y a une appétence de nos concitoyens pour ça. Il suffit de voir le succès des livres de Harari. C'est de l'histoire globale. Pour moi, pas forcément de la très bonne histoire globale. C'est excellent au niveau narration. C'est quelqu'un qui écrit comme un conteur, qui sait captiver son public, etc. La façon dont il écrit son histoire, elle est scientifiquement discutable parce qu'il pose des choses comme allant de soi alors que ce sont des hypothèses, qu'il y a des hypothèses contraires et que ça gagnerait parfois à être mis en perspective, à dire, voilà, il y a telle hypothèse sur tel événement. Personnellement, je suis plutôt favorable à cette hypothèse parce que je suis plus convaincu par telle donnée. Mais voilà, il y a des débats en cours et vouloir les niveler au profit de la rapidité, de la, comment dirais-je, souplesse du récit, de la valeur du récit, ce n'est pas forcément une bonne idée. Bon, ça, c'était mon affaire. Mais oui, pour enseigner ça, absolument, je pense que c'est crucial. Oui, bien sûr. On a d'ailleurs, notre association avait d'ailleurs proposé des programmes de, puisque le gouvernement, considère que refaire l'éducation morale et civique, l'enseignement, pardon, moral et civique, c'est quelque chose de fondamental pour la République, pour les citoyens, pour la cohésion nationale, etc. On a été, comment dire, invité par le Conseil supérieur des programmes, et on a donné nos propositions. Et malheureusement, on a été obligé de constater que l'avant-projet gouvernemental qui a fuité dans la presse n'est loin de reprendre nos propositions, que ce soit sur le plan climatique ou géopolitique. D'où notre idée de continuer à ce pourquoi nous sommes les mieux armés, c'est-à-dire former nos collègues indépendamment des circuits institutionnels, et puis essayer d'infuser, c'est un peu pour ça que vous êtes là aujourd'hui, d'infuser cette histoire environnementale, cette histoire globale dans les formations de nos collègues, de façon à ce qu'ils puissent les utiliser. On a quand même une certaine liberté pédagogique, elle reste vraie, malgré le carcan des programmes, hein, la lourdeur des programmes, et je pense qu'on peut faire quelque chose de ce point de vue-là. Donc, tout à fait d'accord avec vous pour aller dans ce sens. J'ai une question, je me permets, il y a une question de Cécile qui est sur le chat. Claire, pardon, c'est pas Cécile, c'est Claire qui propose, qui nous demande, pouvez-vous donner un exemple de conflit récent déclenché largement par El Niño? Alors, par Voilà. récent, c'est-à-dire pas l'Éthiopie en 1973-74. Ben voilà. On vous attend un peu plus tard. Alors, je n'ai plus souvenir. D'abord, l'étude que j'ai citée s'arrêtait en 2011, 2006, pardon, 2006, et pour un conflit récent alimenté par El Niño. Alors, non, mais pour une conséquence géopolitique, je vais en donner une. La plupart des pays riziculteurs d'Asie ont arrêté leurs exportations vers l'Afrique depuis un an, voire plus. La Chine, par exemple, est en train de constituer des méga stocks de céréales, riz, blé, tout ce qui traîne. Pourquoi? Parce que dans le passé, vous avez vu tout à l'heure la photo des squelettes vivants, la Chine a connu ce type d'événement en dépit du fait que les anciennes dynasties avaient des réserves de grains très importantes, parfois sur plusieurs années, pour nourrir la population afin de prévenir les soulèvements liés à la famine. Toutes les grandes dynasties chinoises depuis 1000 ans ont été emportées par des soulèvements paysans liés aux famines. Aujourd'hui, la Chine achète à tour de bras tout ce qui traîne, comme blé ou riz, au point qu'elle détient plus de la moitié des stocks mondiaux de céréales pour un sixième de la population mondiale. Et une des dimensions de l'aide qu'elle apporte à Poutine, donc ça c'est une conséquence peut-être indirecte même du changement climatique et d'El Niño, une des conséquences de l'aide qu'elle apporte à Poutine, c'est que Poutine s'est engagé par le traité d'amitié qu'il a signé à l'automne dernier avec Xi Jinping, a donné tout son excédent de blé, tout l'excédent de blé russe pour les 12 années à venir, avec des prix à terme préalablement définis aux Chinois, à le vendre, en échange de quoi il a accès à d'autres biens, notamment de l'électronique de pointe qui lui manque. On peut tout imaginer, on n'a pas le détail, mais voilà, si la Russie continue aussi sa guerre en Ukraine, c'est qu'elle reçoit toujours du matériel de l'extérieur qui lui permet de nourrir sa technologie. Et à la suite de la Chine,
L'Inde a suspendu, il y a à peu près un an, à l'arrivée d'El Niño. Les Indiens ont des indices pour El Niño, qui sont la première inversion des alizés. Ce n'est pas retenu comme indice par la météorologie classique occidentale. Les Indiens le retiennent parce qu'ils savent que de toute façon, une inversion des alizés, même si ça ne débouche pas forcément sur El Niño, ça va affaiblir la mousson. Donc, il y aura des récoltes moindres. Et les Indiens ont donc suspendu les exportations de riz, en tout cas de riz normal. Le riz à forte valeur ajoutée, comme le basmati, ils continuent évidemment à l'exporter. Mais le riz en grosse quantité qu'ils exportaient, notamment vers un grand nombre de pays africains, ils ont suspendu ces exportations. Et la Thaïlande a pris la même décision. Donc, est-ce qu'il y a des conflits liés à El Niño? La question est peut-être indirectement des pays africains qui, cette année, en 2024, ne vont plus être en mesure de nourrir leur population, entre la suspension des exportations de riz bon marché d'Inde et de Thaïlande et les secousses potentielles encore sur le marché des céréales liées au conflit en Ukraine, même si pour l'instant ces secousses semblent apaisées, l'Ukraine parvient à sortir son blé. Après, avec des tensions en Europe, mais c'est une autre question que les tensions en Afrique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'indirectement, El Niño participe à la fragilisation d'un grand nombre de sociétés, et particulièrement des sociétés les plus vulnérables. Donc, je ne peux pas vous dire si telle ou telle guerre, par exemple dans le Sahel, au Sud-Soudan, est liée à El Niño. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'El Niño a contribué à aggraver cette crise d'un petit facteur de 10, 15, 20% en n'aggrave encore la précarité alimentaire en mettant encore en plus en tension ces sociétés-là. Après, le problème, c'est qu'il ne faut pas voir El Niño forcément comme un déterminant. Ça, vraiment, je le répète, de même que le climat n'est pas un Bien sûr. déterminant des conflits. Ce sont des décisions politiques d'entrer en conflit. Quand vous avez deux sociétés qui sont confrontées à une famine, elles peuvent se dire, soit je tape sur la gueule du voisin pour aller chercher ses stocks, soit je coopère avec lui pour essayer de lisser les dégâts. Voilà. C'est un choix auquel l'humanité a toujours été confrontée. Dans la bibliographie que je vous ai montrée, il figure le bouquin, le livre de comment, Eric Klein, 1177 avant Jésus-Christ, le jour où la civilisation s'est effondrée, où il défend la thèse qu'à la fin de l'âge du bronze, les différentes civilisations de l'âge du bronze, face à un changement climatique d'ampleur qui entraînait des famines, auraient pu coopérer pour essayer d'atténuer les effets de ces famines sur leur population. Elles ont préféré entrer, enfin, elles ont préféré, elles se sont laissées dériver vers l'option du conflit, des guerres civiles, etc. Et le Proche-Orient entier s'est transformé en poudrière déjà à l'époque. Donc, c'est des choix de société. On peut faire les analogies qu'on veut derrière avec l'histoire. Je reviens, Laurent, sur la question de l'Afrique. Tu as répondu. La question de l'Afrique et du riz. Patrick fait remarquer qu'il confirme la suspension des exportations de riz indien vers Madagascar, où il habite. D'accord. Et il demande également, depuis 15 ans, la saison des pluies de plus en plus brève et erratique à Madagascar. Cette année, elle est beaucoup plus consistante. Est-ce que c'est un lien avec El Niño? Probablement, oui, ça fait partie. Alors, juste pour les. Alors, est-ce que je dois réactiver mon partage d'écran? Oui. Est-ce que je peux? D'accord. Partager l'écran. OK. Oui, et puis il y aurait une question de Manon également, qui consiste à poser la question de l'arrivée de la Niña après El Niño. Est-ce qu'il y aura donc une La Niña qui D'accord. viendra après cet El Niño 2023-2024? Alors ça, c'est les effets standards des El Niño, sachant qu'aucun El Niño ne ressemble à un autre. Donc les changements dans les zones d'humidité et de sécheresse. Donc en théorie, Madagascar, surtout le sud, devrait connaître durant les hivers un hiver très sec et très chaud qui devrait aggraver les conditions actuelles. Donc je ne sais pas, Patrick, si c'est le cas en ce moment. On peut te libérer ton micro. Hein. Je pense, Patrick,
D'accord. Sinon, je vais de rebondir répondre sur autre peut-être. chose en attendant la Oui. réponse de Patrick. Les événements climatiques extrêmes et spécifiquement les cyclones. Je vous ai parlé tout à l'heure des températures de surface des océans. Les cyclones sont des structures dissipatives d'énergie. Dit autrement, quand les océans atteignent une température de surface d'environ 26, 27, 28 degrés, ils dissipent leur énergie par des cyclones. Et ceux-ci sont en train de monter en puissance. On a eu des records absolus de vent en 2023. Toute l'année 2023 a été émaillée de phénomènes absolument plus spectaculaires les uns que les autres. Un de ceux-ci n'a pas été très médiatisé en Europe, c'est le cyclone Freddy, qui est le plus fort cyclone de l'histoire. Il est parti du nord de l'Australie, il s'est chargé en énergie dans le nord de l'Australie en février. Et il est parti, il a traversé l'Indonésie, il a traversé tout l'océan Indien en se chargeant en puissance, il a traversé Madagascar, il allait frapper le Mozambique et le Malawi. Après s'être déchargé, il a fait demi-tour, il a retraversé le canal du Mozambique, il a retraversé Madagascar, il s'est rechargé en énergie, il a refait demi-tour, il est allé refrapper les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Et après coup, il a encore repassé sur Madagascar. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on assiste à ce type de monstre de plus en plus fréquemment, alors même que, pour donner une idée de la puissance de Freddy, c'est en un seul On a des cyclone, problèmes de micro. toute la puissance larguée par une saison entière de cyclones sur l'océan Indien en Oui, je te laisse activer le son, Laurent, de ton micro qui était coupé. D'accord, pardon. Vous m'avez entendu donc? Oui, Freddy. il Voilà. revient un Donc, tout petit peu, oui. ceci a peut-être contribué aussi à des régimes de pluie complètement perturbés, c'est-à-dire la forte puissance des cyclones. En même temps, on attendait d'autres variations dans les cyclones avec El Niño qui n'ont pas eu lieu. Je vous l'ai dit, c'est un système chaotique, c'est difficile de prévoir, et particulièrement dans les phénomènes météo extrêmes. La seule certitude, c'est que leur fréquence et leur puissance est en train d'augmenter considérablement sur les tropiques, en priorité. Oui, Patrick signale qu'on a des problèmes de micro. Hein. C'est pas toujours évident de laisser le micro à tout le monde. Pas vraiment cette année, plutôt de la pluie, des inondations un peu partout. Et Patrick confirme pour l'effet Freddy. Voilà. Alors, on peut peut-être répondre à Manon également sur la question de la suite, c'est-à-dire la petite sœur, la Nina. Oui, la Niña, pardon. Alors, la probabilité d'avoir une La Niña après La Niño est généralement assez élevée. Et donc là, on est dans une probabilité qui est de l'ordre des deux tiers, entre 60 et 70 % suivant les agences météo. Donc, c'est l'issue la plus probable, c'est-à-dire que La Niña devrait se déclencher dans le courant de l'été suite à El Niño et refroidir un peu progressivement dans l'hiver qui viendra les températures mondiales. Mais ce n'est pas une certitude absolue, hein, mais c'est la plus forte probabilité à ce jour. Après, la Niña ne changera rien à la montée en température inexorable, comme je vous l'ai dit. Elle va juste nous permettre de souffler un peu durant l'année 2025. Très bien. D'autres questions pour l'instant, personne n'a écrit une question. N'hésitez pas si vous avez encore quelque chose. Manon, oui. Mais oui, bien sûr. Donc la Nina est une conséquence positive. Ben oui. Est-ce qu'on peut considérer que la Nina serait alors une conséquence positive par rapport à El Niño? Alors, c'est compliqué parce que la Niña détraque quand même un peu le climat mondial, même si elle le fait moins violemment qu'El Niño. C'est compliqué de dire ça. Moi, je dirais non. C'est-à-dire que tout ce qui fait sortir des variations de régime de pluviosité et qui compromet donc la possibilité de récolte quelque part sur la planète est un facteur de fragilisation du système mondial géopolitique. C'est-à-dire que partout où il y a des tensions, partout, il peut apparaître des failles. Ces tensions peuvent révéler des failles dans les sociétés. Donc, voilà.
J'ai du mal à savoir avoir un effet positif. Dans le passé, on sait qu'il y a eu des civilisations qui ont été affectées par des phénomènes La Niña aussi. Hein. Ça a été un peu analysé. D'accord. À propos de passé, L'état Ah, normal, c'est pardon. l'état stable de Enso. Entre La Niña et El Niño, il y a normalement une majorité d'environ 3 années sur un cycle, on va dire, de 5 ans, ça peut varier. On aurait une année El Niño, une année La Niña, et puis 3 années stables, Enso, qui seraient plus prévisibles en termes météorologiques et donc plus favorables à la prospérité de nos civilisations, pour parler un peu pompeusement. Oui, une petite question un peu provocatrice. Napoléon, 1812, Hitler, 1942-43, El Niño abattu, Alors justement, là, les abattus. c'est un événement La Niña qui fait que les hivers ont été beaucoup plus rudes en Russie. Donc effectivement, ils ont entravé les tentatives d'invasion de la Russie et donné un avantage stratégique aux belligérants qui étaient le mieux équipés pour le froid, on va dire, pour parler comme ça. Effectivement, il y a certains auteurs, et puis je le développe dans la partie consacrée à l'histoire, qui font de la Niña un des événements, comment dirais-je, majeurs de l'issue de la campagne de Russie de Napoléon et de la défaite de Stalingrad, de l'armée allemande devant Stalingrad, qui a été, comme vous le savez, pivot de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait d'autres facteurs aussi que vous connaissez autant que moi qui ont joué. Voilà. Alors après, c'est effectivement, si on a une période La Niña et qu'on considère le conflit ukrainien, ça va peut-être affecter, voilà, le climat affecte les conflits. La relation est vraie dans l'autre sens, les conflits affectent considérablement l'environnement de manière délibérée. Il y a des belligérants qui détruisent l'environnement de leurs adversaires de manière non voulue, mais particulièrement efficace, liée aux guerres de masse. C'est tout simplement que quand on balance des dizaines de milliers d'obus chargés de matières toxiques dans les écosystèmes, ça a des conséquences au très long terme. On s'est rendu compte depuis une décennie que, par exemple, un certain nombre de nappes phréatiques dans le nord de la France étaient encore polluées par le désarmement. Littéralement, à l'issue de la Première Guerre mondiale, on ne savait pas quoi faire des munitions, puisque les systèmes de production des munitions avaient produit 6 mois à l'avance. En fait, on continuait à produire après la Première Guerre mondiale parce qu'il était difficile de les interrompre. On s'est retrouvé avec des stocks monstrueux d'obus. La seule façon qu'on avait de s'en débarrasser, puisque si vous les laissez empiler quelque part, au bout d'un moment, ça devient instable et ça explose, donc ce n'est pas la bonne solution. La seule solution qu'on avait de s'en débarrasser, c'était de faire des grosses montagnes au milieu de nulle part, dans les champs, etc. De s'éloigner, d'y mettre le feu, et voilà. Sauf qu'on a une pollution maintenant au toluène, notamment, dans les nappes phréatiques du nord de la France et du sud de l'Allemagne, liée au site de désarmement de la Première Guerre mondiale. Voilà, et en comparaison par rapport à l'Ukraine. En Ukraine, on déverse beaucoup plus de matières toxiques aujourd'hui. Voilà. Je fais aussi l'analogie avec le Vietnam, où les Américains ont délibérément versé de la dioxine comme défoliant et d'autres produits, et où aujourd'hui encore, un certain nombre de populations sont exposées à des malformations à la naissance, des retards cognitifs, etc., à cause de la présence de ces produits liés à la guerre, et produits qui étaient vraiment destinés à détruire l'environnement de l'adversaire. Oui, merci. Merci Laurent. Autre question peut-être au niveau du chat. A priori, non. Je pense qu'on a fait à peu près, on a fait un peu le tour. Alors, un Plusieurs dernier personnes point ont. peut-être, vous Oui, bien évoquiez à un sûr. moment l'idée de parler un peu de géo-ingénierie. Oui, oh, oui. On peut, La en fait. géo-ingénierie, oui, le miracle, oui, je pensais quelque chose en particulier,
c'est la découverte de l'hydrogène, enfin la découverte plutôt de gigantesques gisements d'hydrogène blanc, même pas des hydrogènes gris, qui seraient donc produits avec l'hydrogène étant produit avec des énergies fossiles, un hydrogène blanc formidable qui vient du sol. Et on a entendu parler notamment pour la France d'un immense gisement en Lorraine. L'Algérie a fait savoir récemment qu'elle était prête à accepter un certain nombre de capitaux étrangers pour développer ces réserves potentiellement énormes d'hydrogène blanc. Est-ce qu'on n'a pas là le produit miracle qui va nous sauver? Bah, il va falloir changer toute notre infrastructure énergétique, c'est-à-dire on n'a pas une infrastructure qui peut gérer de l'hydrogène, qui peut fonctionner à l'hydrogène. On a une infrastructure qui fonctionne pour l'instant au gaz naturel, au pétrole et à l'électricité. Voilà. C'est un peu compliqué l'hydrogène à gérer, c'est un gaz extrêmement léger, c'est même le plus léger de tous. Voilà. Oui, en théorie, en pratique, économiquement et surtout logistiquement, ça va être vraiment une autre paire de manches. En fait, personne, dans le milieu de l'énergie ne pense sérieusement qu'une seule énergie peut résoudre le problème de la transition énergétique. Voilà. Et il faudra très probablement mettre du nucléaire, de l'hydrogène, d'autres sources d'énergie, notamment solaire, éolien, etc., en fonction des sociétés, des infrastructures disponibles, des modes d'usage de cette énergie. Et voilà, et ce seront des cocktails plus ou moins raisonnés. Mais tabler sur une seule énergie, c'est juste complètement farfelu. Par rapport à l'hydrogène blanc, il y a des gisements qui sont très purs, à ce que j'en sais, notamment celui qui se trouve au Sénégal, avec lequel on fait quelques centaines de maisons. Celui d'Alsace, ce n'est pas un hydrogène très propre. Je crois qu'il est assez entaché d'autres gaz. Et donc, voilà, il est difficile à exploiter. En fait, on est dans quelque chose qui est, comme la CCS d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure, la captation-séquestration carbone, de l'ordre de l'effet d'annonce pour capter des capitaux aujourd'hui, parce qu'il y a d'énormes capitaux qui sont misés sur la transition énergétique, sur les nouvelles formes énergétiques, et donc les acteurs du secteur, avec des annonces spectaculaires, se positionnent comme récipiendaires de toute cette manne qui commence à se développer. C'est comme ça qu'il faut comprendre aussi ces annonces du style l'hydrogène va nous sauver. Ça peut participer d'une solution énergétique, il ne faut pas être naïf, mais ça ne résoudra vraiment pas tout, très loin de là. Très bien, merci Laurent, merci beaucoup. Merci Jean-Michel. J'espère surtout que nos amis ont pu en tirer un certain nombre de règles et d'idées pour leur cours et puis pour leur vie de citoyen. Je crois que c'est très important. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Je vous Merci à souhaite à vous. tous une bonne soirée. N'oubliez pas de voter si vous êtes adhérent des Clionautes. On compte sur vous. Voilà. Merci. Bonne Merci soirée. Laurent. Bonne soirée, Bonne merci. soirée. Merci.